J'ai 4, j'ai 5, j'ai 6, j'ai 7, j'ai 7. J'ai 4, 5, 6, 7. Juste une pointe de colle suffira. G7, G5, G7, G4 et G6, G4 et G6, plus grand que le G5 et G7, plus petit, plus grand, G4, G6, D, D, D7, 18, 19, 20, 21, 22. Dix-sept, vingt. Dix-sept, vingt. Dix-huit. Dix-neuf. Vingt-deux. 21.
On va coller. On n'a pas besoin de colle normalement, vu que les pièces ont des trous assez serrés. Du coup, il suffit juste d'enfoncer dans les trous chaque pièce 13, 14, 15, 16, 17, 18 H. Donc, voilà, l'insérer pièce par pièce. Heureusement, les trous sont très serrés. Du coup, voilà, ça tient tout seul. Je me suis presque trompé. 16. Heureusement, j'ai noté les pièces, sinon je me suis trompé déjà. Voilà, serré jusqu'au bout. Appuyer jusqu'au bout. Et là, on va pas besoin de colle du coup. Voilà. Je vais passer à la colle forte parce qu'apparemment la colle blanche ne tient pas debout. Donc, on y va. On va laisser un instant pour sécher. Après, on va coller les parties qui sont cachées par les pinces afin de laisser la place pour coller. Voilà, je décale et je colle. Pour moi, c'est important. Donc, il doit avoir une touche de colle pour que ça tienne bien. C'est bon. Tenir 5 secondes à peu près avec la colle instantanée et ça devrait tenir assez bien par rapport à la colle blanche où j'ai passé carrément 10-15 minutes
à coller, recoller, coller, recoller, qui détache à chaque fois. Voilà, ça tient bien. Thank you.